parole de noble, bouillette. Ok, donc voilà. Décris-nous un petit peu ta présentation, ton montage. Donc voilà, montage tout simple. SKK Why Not, donc j'ai été chargé de développer avec mon ami Sylvain Petit une bille. J'avais entendu parler du Squid Krill, donc j'ai demandé à Manu de nous confectionner ce genre de bille, Squid Krill, calamar, avec une forte concentration de krill. Et après plusieurs tests qui ont été très très concluants, à savoir que les carpes sont très friandes de krill, on en est arrivé à une bille de couleur sombre. Je ne voulais absolument pas de la couleur claire, donc une bille de couleur très sombre, brun foncé en l'occurrence, ici en 20-22 mm. Bille pour moi gagnante. J'ai fait de nombreux poissons avec ceci. Ici je l'ai associé avec de la Vulcan SKK aussi, hein. Why Not, donc c'est le surnom de la bille. J'ai prépercé une bille de 22 mm, je l'ai associé avec un SCP de la même gamme. Voilà, montage tout simple. Alors j'ai pour habitude de booster et d'enrober mon appât. Terminé ici, je vais le tremper juste dans le boost. Bien faire attention de ne pas tremper la chaussette dans le boost, parce que si on n'est pas sur un boost huileux, eh bien on risque de trouver la chaussette. Donc voilà, on trempe au 4/5 la bille. Voilà, stop, refait l'opération. Voilà, c'est bon. Là, on essore un peu, on laisse goûter, c'est à rien de gaspiller, et ensuite. J'ai mon pot de poudre de krill. Je viens enrober. Voilà. Un petit séchage indispensable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un plan d'eau dans lequel les départs sont très fréquents, eh bien, il est préférable de préparer 2-3 montages. Moi, c'est ce que je fais. J'ai une petite penderie dans l'abri et j'ai tous mes montages qui sont pendus. Bon, après, on n'utilise pas ces montages-là, j'utilise une boîte hermétique et je les pose dedans. Il n'y a rien de mal fait, ça conserve, il n'y a pas de souci à partir du moment où c'est à l'abri d'humidité et on est reparti directement sur une session future. Voilà ce que ça donne. Voilà. Okay. Donc, voilà, je vous ai montré ceci, cet enrobage avec le boost de la gamme, donc Why Not SKK. Alors à partir de ce moment là on peut imaginer toute une variante. Donc ici, ce que j'aime bien faire aussi, c'est utiliser le Ghost Booster. Même chose, hein, tremper dans le Ghost Booster et dans la poudre de krill, ou voire même des micropellets 1 mm. Il suffit de monter sur le site, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir imaginer toutes sortes d'enrobages. Il y a le Bertfaux Taras. Je pense qu'il y a du Gamarus, on peut faire toute une sorte de toute une panoplie de variantes. Voilà. Aussi, j'avais demandé à Manu, et il a fait ça, avec très grand succès d'ailleurs, de concentrer plus de krill, plus de poudre de krill dans la bille. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des billes allégées. On essaie toujours d'alléger sa bille avec soit un maïs plastique, soit une pop-up H2O ou quoi. Et bien là, on pêche avec une bille qui est allégée. Donc il suffit de lui demander, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, super. Écoute, Dani, je te remercie pour cette présentation. Je te souhaite encore un grand succès cette année. Je te dis à bientôt. Merci, avec plaisir. À bientôt. À la même heure. Même endroit, même heure. Inch'Allah. Ciao. Ciao.